Pour ce nouvel épisode de Big Spin, on a affaire à une vieille connaissance, un véritable passionné obsédé de skate, un enfant déterminé qui est devenu un adulte responsable, un skateur chevronné qui est aujourd'hui de l'autre côté de la barrière pour mieux faire aboutir les projets des autres. Avec lui, on va évoquer sa nouvelle part ondulée Wavy, sa rencontre avec Nico Eustache, Yann Garin et tous les gars de rare, ses voyages en Australie, Loïc Benoît, les emails de Jimmy Thomas, sa période Slim et Andrel, sa motivation constante pour aller skater et comment s'est faite la transition vers la vie active. On est avec le petit prince de Viroflay, le fils de Christophe et Dominique. On est avec Jojo, on est avec Joseph Biet. Big Spin Podcast. Salut Joseph. Salut Sébastien. Dans une journée, c'est la première de ta nouvelle vidéo part. Ouais. Intitulée Wavy. Donc pour commencer, tu vas nous expliquer le pourquoi du comment. Alors, le pourquoi du comment, l'idée m'est venue, j'ai commencé à y penser parce que j'ai fait et filmé, je pense, pas mal de parts dans le passé, donc certaines bonnes, certaines moins bonnes, et bon, j'ai eu l'impression à un moment d'avoir un peu fait le tour de ce que je pouvais faire et de toujours un peu faire les mêmes parts, plus ou moins sur les mêmes schémas avec... pas forcément les trucs qui revenaient, mais j'ai vraiment eu l'impression de faire souvent la même chose. Et du coup, surtout arriver un peu à des limites, enfin à mes limites de ce que je pouvais faire, quoi, dans mon type de skate. Donc à un moment, je me suis dit, je vais pas forcément faire le même Andrel ou le même set de marche, mais juste avec une marche de plus, parce que je suis de toute manière en plus de plus en plus vieux, et un, ça m'intéresse pas, et plus... Et deux, je pense que physiquement, je n'arriverai de toute manière pas à aller plus loin dans mon style de skate. Et je n'avais pas forcément plus envie de changer complètement juste pour produire quelque chose de nouveau. Du coup, j'ai toujours un peu aimé ces genres de spots qui ont une espèce de rail en rainbow ou des spots un peu bossus ou de houba qui ont des formes un peu atypiques. Du coup, vraiment, je trouvais qu'à chaque fois, un, c'était marrant à skater. Quand il y avait un petit rail rainbow, surtout, je pense que ça a vraiment commencé avec le truc de skater des rainbow rails, genre dans certaines villes, genre à Lyon, où il n'y en a pas vraiment à Paris, enfin il y en a maintenant à côté de République, c'est des espèces de racks à vélo arrondis, j'ai toujours trouvé ça super marrant à skater, et que ça rendait toujours super bien, que ce soit en photo ou en vidéo, donc je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas juste de filmer en fait sur des spots et des tricks vraiment juste qui me plaisent, que je trouve vraiment marrant et qui en plus rendent toujours assez je me répète mais ils rendent toujours vraiment cette espèce de sont visuellement assez intéressants et changent un peu du schéma très classique curb, marche, des spots un peu tout rectiligne, donc je trouvais ça assez cool et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de filmer et de mettre un peu ce petit challenge pour moi de juste filmer sur des spots comme ça que je trouve qui rendent vraiment beaux et qui sont pas forcément cool à skater parce qu'il y en a plein que j'ai skaté dans cette part qui sont juste horribles mais que j'ai juste skaté parce que j'avais envie de les ajouter à la liste. Mais du coup je me suis dit voilà, j'ai envie d'essayer de faire un peu ce truc, juste skater des spots comme ça qui auront pas forcément tous la même gueule, mais qui ont un peu tous cet esprit-là d'ondulation, de vague, avoir un truc un peu... ce côté un peu arrondi. C'est assez conceptuel. Est-ce qu'il y avait une part... est-ce que t'as une part en tête qui avait été un peu dans le même style qui a pu t'influencer? Ouais, alors en fait, il y a eu un peu ce truc. Donc déjà, j'avais envie de faire autre chose parce que j'ai, voilà, comme je dis, j'ai déjà fait plein de fois le schéma part un peu classique, tout mixé, peu importe, sans une sorte de thématique ou un truc derrière. Et du coup, quand il y a eu cette idée-là qui m'est venue, ça a un peu fait écho avec deux, trois trucs qui sortaient récemment, un peu des parts ou des petits clips qui avaient un thème que je trouvais assez cool parce que forcément, ça apportait quelque chose un peu en plus que juste le skate, quoi. Et donc, ouais, il y a cette part qu'a fait Ben Gore, où il skate que par-dessus ou autour, où il y a une sorte de thématique qui revient tout le temps, par-dessus des deux roues, des motos, des vélos, ASF. Et j'avais trouvé juste le concept d'avoir en plus du défi juste de filmer un tricks, mais de le filmer sur un type de spot super particulier et d'arriver à les compiler, que j'ai trouvé super cool. Et je trouve que le résultat final est autre, quoi. Un peu, pas forcément un peu plus excitant, mais juste du fait que ça change,
Je trouvais ça assez cool. Il y a eu ça, et il y a aussi Phil Bison qui avait fait une part que sous la pluie, que j'avais trouvé complètement dans un autre délire, mais que j'avais trouvé cool, juste le fait qu'il y ait vraiment une unité, une sorte d'unité, et ce côté un peu collection que je trouvais cool dans les images. Et du coup, bah, voilà, ça faisait un peu écho à ça. Si, c'est encore un peu plus large et un peu différent, mais ça rejoint quand même un peu la même idée. Il y a eu cette part avec Yalte et Bobby Juarez qui ont fait une part que de Plaza. Donc ça c'est un peu moins restrictif, je pense. Mais ouais, j'aime bien ce concept de se focaliser sur quelque chose qui, en plus, je pense, ça revient un peu à ce que moi je disais avec ce truc de Rainbow Rail, les spots en forme de boss et Uba et Rai incurvé, que je trouve super cool, et que je pense que eux, c'est pareil, ils se sont dit, c'est des skateurs de Plaza, ils se sont dit, on n'a qu'à faire que ça et pas se faire chier, mais pas juste vraiment faire le skate qu'on a vraiment envie de faire et essayer de le pousser au maximum, et je pense que ça rend super bien du coup. Comment on élabore une telle part? Depuis combien de temps t'y penses et comment tu répertories les spots? J'avais vraiment cette idée en tête depuis super longtemps. Combien de temps? 10 ans? Non, pas 10 ans, mais depuis peut-être 2-3 ans, vraiment je me suis dit, ce serait cool de faire un truc avec plusieurs spots qui se ressemblent. Et à un moment, je me suis juste dit, je vais juste le faire, quoi, peu importe. J'ai demandé du coup à Vance de me supporter pour faire ça. Et à partir du moment où ils ont dit oui, quoi, ils étaient chauds de m'aider à faire ce petit clip, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais en tête des spots que j'avais vus en général dans les vidéos et à essayer un peu de les remettre ensemble dans ville par ville. Comme ça, j'ai un peu réussi à isoler 4-5 villes en Europe, pas trop loin, où je savais qu'il y avait au moins 3 ou 4 spots, sans forcément savoir où ils étaient, mais je savais, il y a ce truc-là, machin qui a fait Strix là-bas, je sais que c'est à Londres, et il y a ce autre truc que j'ai vu dans un mag, je suis quasiment sûr que c'est à Londres, hop. Et comme ça, j'ai commencé un peu à essayer de retrouver les spots, avec Instagram, en demandant aussi à des gars que je connaissais. Parfois, j'avais même pas la photo, juste expliquer le spot, il y a cette espèce de bump, machin, et... Parfois, ça n'a pas toujours marché. La gars savait où c'était, pouvait me donner me filer une photo, me filer même un pin du spot. Et même, il y a eu plusieurs fois où genre, j'ai parlé justement à des gens. Donc, dans les 3-4 villes que j'avais identifiées où il y avait potentiellement le plus de spots qui matchaient avec ce que je voulais filmer, qui me disaient « il y a ce truc-là, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a ce mec qui a fait une photo là-bas, ou même il y a ce nouveau spot qui vient d'être construit, je sais pas s'il est anti-skété ou quoi, mais donc il y a eu pas mal de spots aussi comme ça qu'on m'a donné, mais j'avais aucune idée qu'ils existaient, quoi. Et tu savais un peu quelle gueule aurait l'appart dès le début? Et j'avais vraiment envie que ça... Bon, ça fait pas forcément cet effet-là au final, mais j'avais vraiment envie que ce soit dans un espèce d'effet de mouvement continu, un peu vraiment quand ce soit une ondulation limite, avoir cette espèce de côté mal de mer, de toujours être jamais être un peu sur du sol plat, quoi. C'était ça l'idée, et donc c'est un peu trop restrictif du coup, parce qu'il faut vraiment que des spots avec que des boss du coup, donc ça exclut tout ce qui est les rainbows ou autres, enfin autres sortes d'obstacles ondulés, donc du coup c'était quand même un plus dur à faire, et deux c'était un peu plus contraignant, et même déjà je me suis rendu compte super vite que il y avait vachement de limites, quoi. Au bout d'un moment, faire un flip sur la bosse, un 3-6 flip sur la bosse, ok, c'est cool, mais le spot d'après, il a exactement la même gueule et t'as déjà fait 2 flips, donc faut trouver autre chose, quoi. Et t'as un vidéaste particulier pour cette part? Est-ce que tu peux nous présenter Romain Bâtard, donc? Ouais, alors j'ai demandé donc à Romain de filmer cette part parce que je pensais que c'était un projet qui pourrait lui plaire. Donc Romain était chaud. T'avais déjà fait des choses avec lui? J'avais déjà filmé avec... En fait, Romain, je le connais sans le connaître depuis super longtemps. Quand il a déménagé à Paris, il me semble, il y a 2 ans à peu près, du coup, forcément, il s'est mis à traîner un peu avec tout le monde, à filmer avec tout le monde. Donc j'ai filmé un peu avec lui, mais sans faire de projet en particulier ou quoi que ce soit. Et donc quand je lui ai proposé ça, il était assez chaud direct, ça lui a plu. J'aime bien comment Romain filme, c'est super dynamique et il a un peu cette manière de pouvoir faire rendre n'importe quel tricks et n'importe quel spot, même sans que ce soit forcément fou, bien. Du coup je me suis dit que ça pouvait super bien marcher.
Et il filme super près. Et en fait, je me suis par contre rendu compte que parfois, genre, le spot rendait super bien parce qu'il était super ondulé et qu'au fichage, c'était cool. Mais parfois, il était tellement près. Sa manière de filmer était tellement proche que, genre, on se rend même plus compte du spot, quoi. Et donc, il y a plusieurs fois où j'étais là où je me disais, mais merde, comment je me suis dit deux ou trois fois, merde, mais là, faudrait refilmer le tricks parce que, ok, c'est bien filmé, mais on perd quasiment le. L'effet que j'ai envie de donner ou que ça met plus l'accent sur le spot et le côté un peu wavy du coup. L'accent est plus mis sur le tricks que sur le côté spot que j'ai envie de montrer quasiment avant les tricks. T'aurais été capable de faire une part comme ça il y a 10 ans ? C'est assez dur à dire parce que j'essaie de réfléchir à un truc que j'aurais pu sortir il y a 10 ans et voir dans quelle un peu optique j'étais et dans quel était un peu le... Comme tu disais là, que t'as fait beaucoup de parts, t'étais plus dans une performance ou... Ouais, clairement, ben, il y a 10 ans, je pense que j'étais vraiment complètement un peu dans cette mode du skate, un peu super influencé, America, Baker, tous les trucs comme ça, skater vachement dry, skater un peu faire espèce de petit hammer en sautant, faire des gaps et des trucs moins créatifs, moins... Ouais, beaucoup plus poussé performance. Et ben forcément, j'étais là-dedans et tu vois, c'était ça qui me plaisait à l'époque et ce que tout le monde un peu attendait. Et c'était un peu le schéma classique. Du coup, je pense que il y a 10 ans, j'aurais pas vraiment eu l'idée de me dire je me concentre sur autre chose que juste le côté tricks performance. Et j'essaie plus de faire un truc qui va être un peu plus esthétique ou plus. Ouais, quelque chose d'un peu plus cohérent dans son ensemble. C'est aussi, il y a un parti esthétique qui est très fort. Ouais, mais pas dans le sens esthétique, dans le sens « Ah, ça rend super beau », plus dans le sens où « Ah ouais, c'est cohérent ». Il a voulu faire quelque chose dans ce sens-là en utilisant les spots d'une certaine manière, plus que juste il a voulu montrer qu'il avait réussi à faire le lip slide sur le ride de machin, quoi. Pourquoi aujourd'hui, ce serait pas le standard America Baker qui soit toujours valable ? Pourquoi ça n'a pas pris cette direction ? Bah, je pense que ça l'a pris, cette direction, pendant un moment, mais que de toute manière, au bout d'un moment... On en fait assez vite le tour de la mode America, Andra et tout ça. Vu que ça s'est pas vraiment super renouvelé, même si ça va toujours un peu plus loin. Je pense que les gens ont eu un peu envie d'avoir, de voir autre chose, de manière générale, donc que ce soit juste voir un autre type de skate. Et deux, aussi, je pense qu'il y a eu vraiment un truc où les gens ont un peu eu envie de s'identifier peut-être à un autre type de skate, peut-être plus accessible. Parce que c'est, on peut pas, on s'identifie pas tous forcément au rail de 15 marches en front crook pour que la plupart des gens qui skatent pourront jamais faire de leur vie, mais une petite line un peu cool ou un spot qui rend bien ou je sais n'importe quel autre type de skate peut-être un peu moins violent parle à beaucoup plus de gens. Il y a ce côté-là et puis juste ouais, le fait de comme une mode quoi, une fois qu'on l'a vu et revu, on a juste envie d'autre chose quoi. Ouais, c'est comme n'importe quelle mode, quoi. Il y a une overdose à un moment et besoin de passer à un autre truc, un peu de fraîcheur. Et la fraîcheur, bah, elle est dans un autre type de skate, peu importe quel type de skate. Et tu crois que la performance a moins de valeur aujourd'hui ? Je pense qu'elle a un peu moins de valeur dans le sens où aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le standard du niveau de skate moyen est tellement énorme que voir des tricks de ouf ou des tricks super durs ou super... super impressionnant, on en voit tout le temps. Donc ouais, il y a plein d'autres choses, je pense, maintenant qui sont peut-être plus importantes aujourd'hui qu'il y a quelques années pour se diversifier, que ce soit au niveau du style, au niveau de la manière de faire les tricks, de la vitesse, tout un ensemble de choses, je pense, de créativité, de choix de spot, quand il s'agit de parts, de choix de musique, d'editing, qui passent peut-être pas avant la performance, parce que de toute manière... On aura toujours envie de voir du bon skate, je pense. Après, c'est sûr que c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand c'est une combinaison de bon skate, une bonne musique, tout va dans le bon sens et élève vraiment le truc. Parce que après, ouais, c'est sûr, personne n'a envie de regarder une part juste avec un mec qui fait des tricks super nuls, mais que soit la musique soit cool, soit ok, c'est une combinaison qui marche, mais après, je pense que plus grand monde a envie de voir une vidéo zéro avec du métal et le gars qui est juste un enchaînement de Andrai interminable. Même si quelque part c'est assez cool et ça pourrait revenir à la mode comme toutes les modes, mais je pense qu'il y a vraiment une overdose du skate californien il y a une dizaine d'années qui a poussé peut-être ouais,
plein de gens à regarder ailleurs. Donc justement, est-ce que tu peux revenir sur comment se passent les débuts de Joseph sur un skate? Super transition. La toute première fois que j'ai vu du skate, c'est à la sortie de l'école. Je crois que je devais être en... C'était où? C'était à Versailles. J'étais en cours à Versailles. Et il me semble que c'était au tout début de ma cinquième, quasiment un des premiers jours de la rentrée, première semaine de rentrée, c'est sûr. Je rencontre un nouveau gars qui vient d'Afrique du Sud, qui était en Afrique du Sud avec sa famille et qui a déménagé à Versailles. On devient pote direct et ouais, un des tout premiers. Je crois que c'était un mercredi, puisque du coup on n'avait pas cours le mercredi après-midi. Il me semble, on avait la rentrée devait être le lundi et ça devait être direct le mercredi. Il me dit que ouais, on va chez lui le soir après l'école, enfin le soir ou l'après-midi, quoi, si c'était mercredi, je ne sais pas bien sûr. Et donc on va chez lui, machin, je sais pas, on joue aux jeux vidéo ou un truc comme ça. Et son voisin, avec qui il est pote aussi, passe et ils me disent « Ah viens, on va dehors » et il avait un skate. Et il me dit « Ah mais tiens, regarde, je vais te montrer un truc, c'est assez cool. » Et juste devant chez lui, et donc ils ont le skate, machin, hop, il se met dessus. Et voilà, je pense que tout le monde a eu cette scène là. Il fait plus ou moins un ollie où il décolle, il arrive quand même à décoller les deux roues. Et là vraiment... Je pense que tout le monde a eu ce moment-là, pas forcément du holly et tout ça, mais ce moment où genre, il se passe un truc et là on se dit, waouh, c'est vraiment un truc de ouf. Et on n'a qu'une envie, c'est un, de savoir comment il fait, et deux, d'arriver à faire pareil, quoi. Et là, direct, du coup, je sais que c'est ça que j'ai envie d'essayer, quoi. Genre, d'un seul coup, je suis obsédé par ça, quoi. J'essaye un peu avec sa planche, machin. Donc on ne sait pas, on en fait pendant un moment. Je rentre chez moi et là, j'ai qu'une envie, ouais, c'est d'avoir une planche pour moi, quoi. Et comment ça s'est passé? Très rapidement, dans un catalogue Auchan, il me semble, je vois qu'il y a un skate. Il me semble vraiment plus, enfin pour l'époque, je sais, ça me paraît assez fou maintenant, mais qui devait être à 79 francs. C'était des francs. Et vraiment, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Au supermarché, là, je peux exactement acheter le skate que je veux, quoi, qui a l'air de ressembler à fond au skate de mon pote en plus. Évidemment, j'y connais rien, mais pour moi, c'est pas un skate d'enfant, parce que les skates d'enfant, ils sont des roues roses et ils ont juste le tel relevé. Et j'en avais eu un et ça roule pas, et c'est pas ça, quoi. Là, c'est vraiment le vrai skate. J'ai l'impression que c'est juste un skate américain. J'en parle à ma mère, et on finit par aller au champ. Et je trouve la planche et je sais plus, il me semble que je lui ai demandé d'acheter la planche en cadeau de Noël à l'avance ou en cadeau d'anniversaire pour pouvoir l'avoir tout de suite parce qu'on devait être à la rentrée, donc on devait être en septembre, mon anniversaire c'est en décembre, c'était juste impossible que j'attende, quoi, ou alors il aurait fallu que je quête la planche, enfin que j'aille tout le temps chez mon pote pour pouvoir en faire. Du coup elle m'achète la planche et c'est parti de là. Genre ça devait être très rapidement après que j'ai vu ce premier ollie et là c'était parti, quoi, genre premier samedi après-midi à essayer de monter des trottoirs pendant une journée entière. Et la planche que tu as achetée, elle était utilisable pour faire du skate? Elle était suffisamment correcte pour faire du skate? Ouais. C'était vraiment une planche de mauvaise qualité, évidemment, mais, mais elle était assez bien pour pouvoir apprendre, quoi. Pour pouvoir apprendre, ouais. Comment ton horizon s'ouvre? Je pense encore une fois un peu comme tout le monde. Je fais du skate devant chez moi, tout seul, ou après les cours, ou... Ouais, j'en fais surtout beaucoup le soir, ouais, devant chez moi, parce que forcément, à cet âge-là, j'ai pas le droit d'aller tout seul à droite à gauche. Et surtout, ma mère veut absolument que je mette un casque et toutes les protections. Ma mère étant médecin, il y avait forcément pas moyen que j'aille faire du skate sans protection. Du coup, je prenais le casque, j'allais au bout de la rue, mais un peu plus loin au bout de la rue, et forcément, je ne mettais pas le casque. Donc ça a vraiment pas duré longtemps, je lui ai vraiment juste dit que je pouvais pas et que c'était pas possible, quoi. Elle a toujours insisté, elle insiste toujours pour en mettre, hein. Ça changera pas, mais très vite quand même j'ai été joué franc jeu en lui disant que de toute manière je le mettais pas et ça servait à rien que je l'emmène, je ferais juste que le trimballer, quoi. Donc c'est beaucoup de skate devant chez moi. Et après, ça se transforme vite en petites sessions avec tous les copains que je me fais à Versailles, principalement, parce que j'habitais à Viroflay. Et à Viroflay, il n'y avait quasiment pas de skateurs, alors qu'il y en avait énormément à Versailles. Je pense que ce sera du fait qu'il y ait déjà un skate shop dans cette ville et aussi du fait qu'il y ait le skatepark des Matelots. Mais donc, il y avait beaucoup de skateurs et donc j'ai tout de suite accès à voir
plein de skateurs plus âgés, plus forts. Et donc moi, je traîne avec ma petite bande de potes où on va faire du skate les mercredis après-midi sur la place du marché à Versailles. Ou alors au skatepark de Versailles. Hein, le fameux des matelots. Le skatepark de Montboron qui est en extérieur avec des modules en fer très vilains. Et où on passe la plupart de notre temps libre, quoi. Soit entre skatepark, soit ces spots-là, quoi. C'est quelle année à peu près et qui est-ce que tu vois ? Qui est-ce qu'il y a de connu à Versailles ? Quelle année ? Attends, tu dis cinquième. Calculer. Il me semble que c'était la première année de cinquième. Quel âge t'as en cinquième ? 12 ans. T'as 12 ans, ouais. Du coup, je vais avoir 32 ans. C'était il y a 20 ans. C'était en 98. C'était en 98, mais non, je pense que c'était peut-être légèrement après, parce que je me souviens de la Coupe du Monde et je pense pas que je faisais déjà du skate. C'était peut-être en 99. Bref, c'est ces eaux-là, 98-99. Et je vois qui ? Et ben, donc je vois les skateurs plus âgés de Versailles. Et dans les skateurs plus âgés de Versailles, qui sont sponsorisés ? Les premiers que je vois, c'est Philippe Amard, Julien Gauvry, Michael Macrod, et c'est tout pour les plus connus. C'est cette petite équipe-là de 35 Street, qui est le skate shop de Versailles. Une brochette pas mal. Ouais, une belle brochette de skateurs, c'est clair. Enfin, pour l'époque, cette banlieue-là autour de Versailles, et ça quand même drainait pas mal de skateurs qui étaient un peu les gars du moment, quoi. Enfin, du moins les skateurs de banlieue du moment. Tu te souviens de tes premières vraies planches, comme on dit, des vidéos de l'époque ? Ouais, je me souviens super bien de ma première vraie planche, parce que forcément, hein, c'est cette époque-là, tu changes pas de planche tous les 4 matins, et surtout tu l'achètes ta planche, donc t'as économisé pour l'avoir. Et donc la première que j'ai eue, j'avais récupéré un peu des trucs un peu mieux que celle de la Bordeaux-Champ de mon pote. Et à cette époque, je ne sais pas si ça se faisait un peu trop à Paris, mais en tout cas à Versailles et dans les quelques shops que j'avais pu fréquenter, ça se faisait vachement. Ils revendaient les planches déjà skatées des skateurs sponsors. Et du coup, j'allais souvent checker, voir s'il y avait une planche qui n'était pas trop abîmée, qui était pas... parce que de temps en temps, il y en avait même qui était un peu fissurée. Quoi. Quand j'y pense maintenant, je trouve ça assez ouf quoi, qu'un shop puisse revendre des boards. Ah, à l'époque, je peux comprendre qu'ils revendaient des boards, mais des boards vraiment usés. Maintenant, ça me paraît impossible. Enfin, ça me paraît vraiment impossible. Ça a pas mal changé, ce genre de choses aussi. Ouais. Et donc, j'ai acheté une board et les prix variaient entre eux. Je me rappelle très bien, c'était vraiment, ils collaient dessus des petites étiquettes comme il peut y avoir dans une épicerie ou quoi, tu vois, genre les petites étiquettes oranges limite que tu me colles comme ça. Sur les boards, et ça allait entre 150 francs ou 100 francs, peut-être les moins chers, jusqu'à 250 francs. Donc en gros, si la board était vraiment bien, tu la payais moitié prix parce que c'était 100. Les moins chers, je me rappelle, c'était 470 francs, les planches US. Bref, j'ai trouvé une planche. Donc ma première planche, c'était une girl. Je sais, je suis pas sûr du pro-modèle, mais je pourrais retrouver le graphique. Mais bref, c'était une girl que j'avais dû payer entre 150 et 250 francs. Peut-être ridée par Michael Macrod. Non, il me semble qu'elle avait été ridée par Philippe Amard, parce qu'il y avait les stickers encore à l'époque. Enfin, il y avait les stickers forcément des sponsors. Et c'était assez facile du coup de retrouver des stickers action, il me semble. Et ouais, en plus, c'est cool parce que vraiment, à l'époque où t'es gamin, genre, j'étais limite content qu'il y ait déjà... qui est déjà des stickers sur la board. Et en plus, ouais, c'était une plus-value. Ouais, c'était carrément une plus-value. Et même, je me rappelle même de penser comme ça en étant gamin, que les rayures et la manière dont était slidée la board, c'était des slides et tout que je pouvais pas faire à l'époque. Donc, je trouvais ça encore plus cool d'avoir une planche qui avait une usure en slide sur le nose, le tail et partout, qui voulait dire que potentiellement, elle avait fait des tail slides, chose que forcément, je savais pas faire à l'époque. Donc, je trouvais ça encore plus cool d'avoir une board qui était déjà skatée par un gars qui savait vraiment skater que plus une board neuve. Et de toute manière, j'avais pas l'argent et ma mère, ça aurait été hors de question que mes parents m'achètent une planche neuve une planche neuve grippée. Les planches US, c'était sûr que c'était hors de prix, quoi. Tu parles d'obsession, comment ça se traduisait ?
ça se traduisait que je peux encore aujourd'hui, par exemple, te dire exactement la couleur de la planche et le genre de sticker qu'il y avait sur la planche que j'ai acheté dans un skate shop. C'était encore l'époque du franc, il y a 20 ans à Versailles. Ouais, obsédé dans le sens où quand t'es gamin et que t'es à fond de quelque chose, t'y es à fond à 100% et genre le moindre truc qui se rapporte au skate, tu l'enregistres et tu l'analyses jusqu'au bout, quoi. Genre, tu finis très vite par penser que au skate et comme je disais, à acheter des magazines, analyser tout de A à Z, même les petits livrets de Street Machine ou de Snow Beach qui étaient dans les Tricks ou les Sugar où il y a les photos des boards, et à analyser le moindre graphique et savoir la moindre marque qui est dans le team blind et combien coûtent les ventures bas ou haut. Et ouais, tout ce qui touche au skate, ça devient un peu une obsession, quoi. La suite de tes aventures, quand tu commences à un peu maîtriser des tricks, d'évoluer dans le paysage Versailles et de l'Île-de-France. Ouais, je fais toujours du skate à fond avec ma petite bande de potes. On est 4-5, on n'est pas ensemble en cours parce que moi je suis dans un collège et lycée privé. Mais on se retrouve tout le temps, soit pour skater, soit s'il pleut, pour regarder des vidéos. De skate. De skate, forcément. Toujours chez le même pote en écoutant Cypress Hill. et du coup, bah, ça skate. Les premiers trips à Paris où on prend le RER et genre avec mon petit crew plus quelques autres gars un peu plus vieux de Versailles. Cite-nous un peu là ton petit crew. Les prénoms là. Alors il y a Aloïs. Le fameux. Il y a Aloïs, Timothée, hein, chez qui on regarde tous les vidéos et tout le monde squatte tout le temps et on écoute Cypress Hill, qui était d'ailleurs le seul à savoir comment télécharger des vidéos, hein, je crois. Sur Emule ou je sais plus quel était le logiciel de téléchargement. C'est assez incroyable quand j'y repense, n'empêche, cette espèce de truc. Moi j'y comprenais rien. Télécharger le truc et c'était selon le nombre de gens qui téléchargeaient ou qui partageaient de la vidéo. Bref. Il y avait Victor. Et le dernier, c'est Thibaut, qui lui était un des seuls qui habitait à Viroflay, donc j'étais super content à chaque fois, je pouvais faire le trajet pour aller à Versailles avec lui en bus. Et avec cette bande-là, vous allez à Paris? Ouais, avec cette bande-là, on skate beaucoup, surtout dans la banlieue d'où on est, hein, toutes les petites villes autour de Versailles, Viroflay, et on va de temps en temps à Paris. Et genre, premier trip à Paris, on est allé au Dôme, et je connaissais le spot parce que j'étais déjà passé en voiture devant pour aller chez ma grand-mère manger un samedi, et j'avais vu le spot par la fenêtre et j'avais halluciné de voir le nombre de skateurs et surtout comme tout avait l'air de grinder, quoi. Ça me rappelle, c'est vraiment le truc qui m'a le plus donné envie d'aller là-bas et impressionné, c'est que ouais, le spot était en marbre et tout avait l'air super lisse et super cool à skater, alors que nous on skatait tout, voilà, notre petite place du marché avec des curbs qui grindent jamais, et là juste le fait de pouvoir grinder partout n'importe quelle marche, ça avait l'air ouf. Et du coup, on est allé première fois au Dôme. Et pareil, là, genre, ouais, j'ai halluciné de voir autant de skateurs. Et première fois que je vois aussi un gars hors pro skate shop un peu de ma ville. Il me semble qu'il y avait Vincent Bressol ce jour-là. Et alors là, j'ai vraiment halluciné, quoi. De voir, ouais, le gars que je voyais dans Sugar ou dans la vidéo, dans une vidéo cliché ou puzzle. Déjà pro, non? En plus. Je pense qu'il était pro, ouais. Je pense qu'il était déjà pro pour cliché, ouais, ouais. Et t'as pas trop été déçu? Non, bah ce jour-là, il skatait pas vraiment. Il a pas skaté beaucoup, ni forcément fait le gros ou bas du dôme, mais non, il avait un peu skaté, ouais. Je voyais direct que c'était Vincent Bressol, quoi. Surtout, c'était complètement ouf de voir le gars qui était dans Sugar, quoi. Tout simplement parce que les gars que je voyais à Versailles de 35 Street, à l'époque, ils n'étaient pas forcément aussi connus et je ne les avais pas forcément vus dans les magazines. Je savais qui c'était parce qu'il y avait la vidéo locale, parce que voilà, ils skataient sur le spot, c'était eux qui skataient forcément le mieux. Mais de voir pour la première fois un mec qui était dans le magazine et de le reconnaître juste comme ça, juste ok, ce gars-là, je l'ai déjà vu et je sais qu'il est super fort et j'ai trop kiffé cette photo et je l'ai analysé 30 fois. Et il a fait la couverture bon Facchioli par-dessus le rail à Montparnasse. Et je peux dire quel board il avait sur la photo. Et de le voir en vrai, ouais, c'était assez ouf, quoi.
ça me donnait vraiment cette impression qu'il y avait un espèce de monde du skate au-dessus, quoi. Il y avait cette espèce de rang, de statut de pro qui était assez, ouais, qui faisait rêver, quoi. Et t'avais envie d'appartenir à ça? Pas forcément d'y appartenir, j'avais juste, ça me motivait à continuer de faire ce que j'avais envie de faire, et pas forcément à y appartenir, mais en voir plus et à le côtoyer, quoi. Peut-être en faire partie, ouais, du coup. Ouais, comment on fait son trou dans le skate parisien en venant de Viroflay? Ben, comment on fait? Je sais pas, j'avais jamais eu de formule magique ou de plan qui s'est déroulé. Non, mais t'étais quand même motivé. Tout a un peu embrayé à Rambouillet. Parce que oui, soit on allait, donc juste pour rembobiner un peu, soit on allait à la place du marché à Versailles, soit on allait de temps en temps à Paris. Mais quand il pleuvait, on n'allait pas du tout à Chelles parce que c'est à l'opposé, c'est la banlieue opposée. Mais par contre, on allait à Rambouillet parce que on pouvait y aller tout seul en train et que ça craignait pas trop le train. Enfin, à l'époque du haut de nos 13, 14, 15 ans, on était quand même assez stressé, surtout venant de Versailles, d'aller à droite à gauche. Et surtout, j'ai l'impression que par rapport à aujourd'hui, ça craignait carrément plus, quoi. On pouvait vraiment se faire embrouiller, tabasser ou racketter nos... On n'avait pas de téléphone portable, mais racketter nos quelques piécettes ou même notre planche ou n'importe quoi, un tout petit peu de valeur, ou notre carte imaginaire même. Presque peur de se faire... Enfin si, on avait peur de se faire racketter et de se faire voler notre carte imaginaire. Bref, et on allait donc à Rambouillet, qui était un petit skatepark couvert. Et jusqu'au jour où il y a eu un ou plusieurs contests là-bas, et je sais plus si c'était le premier ou le deuxième ou le troisième que j'ai fait là-bas. Je pense que je devais avoir 15 ans parce que j'étais en moins de 16 ans. Et donc j'ai gagné le contest en moins de 16 ans. Et il y avait aussi du coup en plus de 16 ans une place qui s'était un peu libérée parce qu'il y a un gars qui s'était tordu la cheville ou je sais pas quoi. Du coup j'avais aussi fait le contest en plus de 16 ans. Et à ce fameux contest, il y avait Nico Eustache qui à l'époque démarrait tout juste Rare Skateboard, qui était une marque de skate française, à l'époque où il y avait plein de petites marques de board françaises, et qui m'a proposé à la fin du contest, qui m'avait demandé, qui m'a dit, ouais, est-ce que ça te dirait de skater pour Rare? Je peux te filer une board par mois. Et alors là, bah, je dirais pas rêve qui devient réalité, parce que c'était pas ce... J'avais pas ce plan-là de, il faut que je sois sponsorisé, que je fasse ça, mais ça me donnait... Ça me validait un peu ce truc que j'avais encore envie de faire, c'était de continuer à faire du skate et d'évoluer dans ce sens-là, quoi. Et juste pour revenir, un petit détail quand même qui est un peu marrant, Nico m'avait dit, bon bah voilà, tu peux, on est chaud de te filer des boards et voilà, tu serais dans le team et tu ferais partie du truc. Et il m'avait filé, il me semble, une board directe, soit une qu'il avait déjà skaté ou un truc comme ça. Et le soir même, en rentrant, j'avais donc encore skaté devant chez moi. Et j'arrivais pas du tout kiffer le shape de la board. Et genre, je m'étais vraiment dit, j'avais skaté et j'arrivais pas du tout à skater. Et elle était super courte, plate. Enfin, vraiment, c'était un espèce de shape qui était dégueu, je trouve. Enfin, pas du tout ce que j'avais, quoi, où j'étais habitué. Et je m'étais vraiment dit, mais putain, mais comment je vais faire? Je m'étais vraiment dit, mais merde, là, il y a un gars qui veut filer des boards et genre, c'est un. Faire partie d'un truc trop cool et je suis trop content, mais putain, j'aime pas les boards, quoi. Genre, je vais pas y arriver presque, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais comment je vais faire, quoi. Et la crise d'angoisse, ouais, j'étais vraiment pas bien. C'était presque l'ascenseur émotionnel, quoi. Genre, trop content et j'essaie de skater, impossible, quoi. Enfin, pas impossible, mais vraiment pas cool du tout, la sensation. Et du coup, à cette époque, donc je rencontre Nico, forcément, et je rencontre tous les autres gars qui skatent pour Rare. Qui sont Yann Garin. Non, Yann Garin, ce qui n'était pas encore pour Rare à l'époque. Il est venu sur le tard. Attention, il est venu plus tard. Il est venu plus tard. Il est venu quand il a su que tu étais chez Rare. Et il est venu après, effectivement. Je pense que j'ai fait peser dans la balance. Non, il y avait Mathieu Hilaire, Nico Eustache, Christophe Picard et il en manque... Fred Constant. Après, un peu plus tard, il y a eu Yann Garin et Nico Canu. Voilà, c'était ça l'équipe après, vraiment. Après, ça a un peu évolué, mais c'était ça vraiment l'équipe du début. Et du coup, je rencontre tous ces gars et je rencontre du coup très vite Yann, parce que forcément, ils skataient un peu tous une bande de potes et ils skataient beaucoup à Évry. Et Nico me dit aussi très vite
qu'ils veulent faire une vidéo. Et du coup, donc, je suis amené à skater pas mal à Évry pour filmer avec eux. Donc déjà, super impressionné quoi, de skater avec tous ces gars et de me dire qu'il faut que je filme avec un vrai filmeur. Parce que d'habitude, ça a toujours été comme tous les gamins. On a acheté une caméra ensemble et chacun se filme les uns après les autres. Et de toute manière, on a juste regardé les images après sur la télé, mais on n'en a pas fait de toute manière grand-chose de plus. Et de là, eux commencent à avoir d'autres sponsors. Yann, qui s'occupait de Globe à l'époque, commence à un peu organiser le truc, à me donner des chaussures. Je commence à skater un peu pour le shop de Rambouillet. Donc voilà, j'ai des trucs un peu à droite à gauche. Et on va tout le temps en mission, soit avec les gars de Rare pour filmer, soit à droite à gauche, partout en France, pour faire des démos. Les fameuses démos Rare. Est-ce que tu as quelques anecdotes, Des anecdotes en particulier, j'en aurais pas, mais... Enfin, si, j'en ai sûrement peut-être, mais il faudrait que là, j'y réfléchisse comme ça tout de suite. J'en ai pas, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a quasiment eu, je pense, 2 ans, ou presque un samedi sur 2, Nico disait, ah, les gars, j'ai une... Là, si vous êtes chaud, j'ai une démo à Troufois les Mouflettes. En général, Nico venait me chercher ou j'arrivais à me débrouiller à aller à un endroit et on allait tous en voiture. On arrivait sur un skatepark qui était en général super pourri. Et une fois sur deux, soit il y avait vraiment plein de monde parce que c'est le contest du coin et tout le monde est trop content et vient au contest et voit aussi la démo. Ou il y avait strictement personne, donc ça dépend, il y a eu un peu de tout. Mais ouais, on a fait un nombre de démos incalculable. Où en général, tout le monde avait juste une envie, c'est de voir Nico Eustache faire 3-6 flip quelque part. De toute manière, c'était ça le point culminant de la session. Après, il y avait tout le monde qui faisait un peu comme il pouvait, à droite, à gauche et tout ça. Mais tout le monde avait juste envie de voir Nico Eustache qui, quand même, avec le recul, un énergie skater incroyable. Et ouais, une énergie, en plus d'être un skater incroyable, une énergie, une bonne humeur et une volonté, mais incroyable. Comme je disais, il venait. Enfin, il venait peut-être pas forcément chercher tout le monde, mais quasiment. Il prenait ou réunissait tout le monde dans la Twingo et on allait, il faisait des kilomètres pour qu'on aille faire la démo. Il parlait à tout le monde. Il faisait la démo comme un ouf et ensuite il me ramenait et ensuite il allait voir sa meuf qui habitait à l'autre bout de Paris, à Aubervilliers, et qui devait lui prendre la tête en plus. Mais voilà quoi. Et il l'a fait un nombre de fois, mais et moi je me rendais vraiment pas compte que de l'effort fourni et de... Sans quasiment jamais râler, alors que je me rappelle, moi et Yann, enfin Yann et moi, avoir été parfois odieux sans m'en rendre vraiment compte. Mais aujourd'hui, je me pense que j'aurais été à sa place, je me serais mis des claques un bon paquet de fois et je me serais laissé... J'étais pas forcément une énorme tête de con, mais juste, je pense que je me rendais juste pas compte parfois de tout l'effort qu'il y avait derrière, juste pour que moi j'aille faire du skate et tout. Bon, après, c'était de toute manière dans l'élan de pour Rare, pour promouvoir le truc et tout. Mais donc vous étiez patron, il y avait toute une équipe aussi. Donc, c'était collégial. Non, bien sûr, mais. Puis de toute manière, c'était dans un élan général. Voilà. C'était pas juste pour me pousser moi en tant que skater, machin. Puis c'est pas toi qui étais le plus désagréable. Non, pas non plus la pire des têtes du tout, mais juste, en grandissant, j'ai réalisé. L'énergie que Nico déployait pour faire cette marque. Ouais, la passion et tout ce qu'il y avait derrière. Et qu'au final, dans ce truc-là, tu t'en rends compte soit en grandissant, soit en passant un peu de l'autre côté. Tout ce qui est fait juste pour que toi, tu puisses faire ton petit truc et te soucier de rien et aller juste skater et on te demande rien d'autre de plus et que c'est quand même une sorte de luxe déjà, quoi. Et bref, et ouais, donc quand je m'en suis rendu compte quelques années plus tard en recroisant Nico, je l'ai vraiment remercié pour de vrai et que ça avait vraiment un sens, quoi, de mes remerciements et un peu mes excuses de temps en temps si j'ai pu être un relou, quoi. T'étais jeune. J'étais jeune et je pense que j'étais pas le plus relou non plus, mais et après il nous a emmenés dans pas mal de coins bien pourris, mais c'est clair que bon, au final, ben voilà. Et d'ailleurs, je me demande aussi comment il faisait pour avoir toutes ces connexions et ces plans démo, quoi. À l'époque, sans internet, sans rien. Enfin, si, il y avait internet en fait, mais comment il faisait pour avoir tout. Et comment les gars s'étaient tous donné le mot que le team Rare pouvait venir dans n'importe quel bled en France pour aller faire le. Ça, vraiment, quand j'y repense à des trucs comme ça. Et pourtant, c'était pas non plus il y a 35 ans où il y avait des télégrammes, mais quand même.
Je pense qu'à l'époque, ça se faisait 1000 fois plus qu'aujourd'hui. Je pense même pas aujourd'hui que dans tous les parcs qu'il y a maintenant en banlieue de Paris, il y ait autant d'événements qui sont organisés, de petits contests ou de petites démos. Ça arrive plus jamais, je pense. Ouais, ça, c'est parce que t'es plus dans ce truc-là. Mais non, de contests, ouais, mais de démos. Je pense que les dernières démos que j'ai vues, peut-être, c'est... Tu vois, c'est à République, il y a peut-être... Un team machin qui passe et c'est même pas vraiment une démo et tout le monde s'en fout parce qu'il y a des pros tous les jours à République de toute manière et c'est République et c'est à Paris quoi, donc en province personne va faire de aujourd'hui, tu vois. Mais en plus je me demande, est-ce que les autres marques faisaient aussi beaucoup de démos ou c'était vraiment un truc propre un peu rare et qui je pense qu'il était vachement centré autour de Nico, cette espèce de personnage super sympa qui disait jamais non et que, et que tout le monde avait envie de voir se propulser. Je pense que c'est ça, parce que tu vois, genre, je me rappelle, pourtant à l'époque j'étais au courant de ce qui se passe et tout, mais il me semble pas avoir vu de trucs de démo, de Plex, ou de, peut-être si Double, il devait sûrement faire plein de démos. Cliché, il faisait à fond des démos. Cliché, il faisait beaucoup de démos. Cliché, il faisait beaucoup de démos. Ouais, il y avait vraiment ce truc démo, quoi. C'était un peu plus institutionnalisé, ouais, la démo de ça marque. Ça reconnecte un peu avec ce que je disais plus tôt, qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de gens très forts en skate et qui pouvaient faire des trucs qui impressionnaient un peu la plupart des gens. Aujourd'hui, si c'est pour ça qu'une démo, déjà, ça marcherait plus parce que... Parce que le local du parc est plus fort que n'importe quel mec. Ouais, ça arrivait de temps en temps quand même, le local hero qui défiait Nico entre 6 flips, mais... Sauf que là, des local héros, il y en a 40, quoi. Mais ouais, c'est marrant, même ce mot de démo. C'est incroyable quand il pense maintenant, aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu quasiment un gros mot, tu sais, comme les trucs, comme les trucs qui étaient OK de dire il y a 15 ans et qui sont complètement tabous aujourd'hui. C'est un peu pareil, une démo, genre vraiment. Tu peux t'imagines plus faire de Palace, démo. Demain, il y a une démo Palace dans un skatepark en banlieue. N'empêche, ce serait hyper cool. Et je pense que c'est un truc, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais je me disais, quand vraiment là on a saturé avec les réseaux sociaux et tout ça, on va revenir où, comme toutes les modes, au départ. Et ça va être quoi? Ça va être les trucs vraiment un peu real, là, tu vois, genre où tu vois du vrai skate et tu vois des vrais gens et tu vis un truc plus qu'à travers un téléphone ou un truc qui dure 2 secondes. Et je pense que ça peut justement, les démos, revenir à un truc peut-être updaté, tu vois, avec un nouveau truc ou je sais pas, mais... Bah, des slappy contests ou... Ouais, des... bah ouais, voilà, ouais. Tu parles de la vidéo rare, Storyboard, ça a mis combien de temps à se faire, ce projet, et qu'est-ce que tu vis à ce moment-là dans le skate? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui t'influence? Alors, la vidéo rare, ça a mis à peu près 2 ans, parce que je suis rentré, j'ai commencé avec rare vers 15-16 ans, et c'est sorti quand j'avais 18 ans, à peu près au moment du bac. Donc ça a mis 2 ans, avec voilà, forcément, quand on tourne, à l'époque, faire une vidéo, c'était quand même plus, enfin, ça mettait des plombes, quoi. Nico me dit qu'il faut que chacun, voilà, filme une part, parce qu'on fait une full vidéo, quoi, et à l'époque, c'est hyper important, il n'y en a pas des grosses vidéos qui sortent tous les 4 matins. Et du coup, je commence à filmer, et forcément, à l'époque, j'essaye de faire le mieux que je peux, et à l'époque, je suis super dans le délire, petit jean slim, essayer de faire des rails le plus gros possible et un peu dans ce délire un peu trash. Et donc, je me rends très vite compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Parce que, un, je suis allé en cours. Ouais, à l'époque, j'étais en terminale, enfin, première terminale, tout ça. Donc, j'ai le bac à passer. Donc, déjà, toute la semaine, je suis bloqué chez moi, quoi. Enfin, je suis bloqué au collège et les devoirs et tout ça. Et donc, j'ai que les week-ends. Et ensuite, les week-ends, tout le monde est déjà en train de filmer. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver à aller à un spot cool où j'ai envie de faire un trick, ou d'avoir le filmeur qui est dispo, où il est déjà... Il faut finalement aller à l'autre bout du monde et j'ai pas de voiture et je suis juste en transport et Nico, il va pas forcément skater. Enfin, tout plein de facteurs qu'on rencontre qui me font me rendre compte que ça va être quand même super compliqué de faire un truc cool et d'arriver à filmer assez de tricks, quoi. Et donc, je prends le truc super au sérieux et ouais, je suis presque pas stressé, mais ça me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de faire des tricks, vraiment envie de me dépasser, quoi, de faire des trucs dont je suis très content.
Et donc, j'arrive à tant bien que mal à faire donc, cette part, en faisant aussi quelques petits trips avec eux quand même, parce que j'ai 17 ans, j'arrive, mes parents sont assez ok de me laisser partir de temps en temps. Il y a un peu d'Espagne, il y a un quand peu je, de... Ouais, évidemment que quand je suis en vacances, hein, je ne sèche pas du tout les cours de mon collège privé, lycée privé. Impossible de toute manière quoi. Donc ouais, les seuls moments où je peux filmer c'est le week-end et les vacances, et ouais, on va en Espagne, on va au Luxembourg, des petits trips comme ça, rien de très très exotique mais qui pour moi sont hyper cool quoi. Et là pareil, toujours méga pression, super envie d'être parmi tous ces gars. Je suis le plus jeune en plus. T'es le plus jeune, t'es celui qui se fait un petit peu martyrisé, qui est un petit peu chiant. Je suis un peu la mascotte et en même temps la tête de turc quoi. Forcément, je suis le plus jeune et j'ai envie de faire partie du truc quoi. J'ai vraiment envie d'être. Et donc c'est compliqué et quand même donc j'arrive à faire cette part, mais en me rendant bien compte que et aussi que c'est hyper dur de filmer des tricks quoi, tout simplement, que quand j'ai envie de faire bien j'y arrive vraiment pas forcément. Et là, je réalise vraiment aussi que toutes les parts et les vidéos que je regarde en boucle depuis des années, c'est un truc de ouf, quoi. Je me dis, comment ils font les mecs pour filmer autant de trucs et arriver à avoir des parts qui sont longues et bien? Comment ils ont le temps? Enfin, comment ils arrivent? Je me rends vraiment compte de ce que c'est que de... Que c'est un vrai boulot, boulot pour finir une part. Pas forcément boulot dans le sens travail, mais que c'est, ça demande... vraiment un engagement du temps et du talent, et je me rends vraiment compte que c'est pas juste un produit fini qu'on regarde comme ça et que c'est cool, que derrière c'est énormément de travail juste pour le skater. Et aussi je me rends compte en les voyant pendant 2 mois monter la vidéo tous les soirs, parce qu'il y avait toute une partie qui était d'animation et même juste les montages, enfin faire mettre les parts ensemble avec la musique et tout, je me rends compte pour la première fois de ce que c'est vraiment produire quelque chose en vidéo qui tient la route, une vraie vidéo de skate quoi, qui va être regardée. Et là ouais, ça me motive à fond quoi. La première fois que la vidéo sort et finit, même si je suis pas entièrement satisfait, je suis quand même super content d'avoir une vraie part dans une vidéo qui va être vue par des gens avec des skateurs qui sont quand même super, les gars du moment, enfin pas forcément les gars du moment, mais qui sont des skateurs connus et reconnus en France. Je suis comme un ouf. On fait une petite tournée où on va faire 3-4 avant-premières, genre à Biarritz, à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Et on fait une petite tournée en van. Et alors, ouais, je crois que c'est l'Amérique quoi. C'est un grand moment. Ouais, c'est un grand moment parce que ça. Ouais, c'est exactement le schéma que j'ai pu voir, ou soit lire dans les magazines, soit voir dans diverses vidéos de la tournée et la tournée d'avant-première. Genre, ouais, je suis comme un ouf, quoi. Et ça déclenche vraiment, je pense, un truc en moi en me disant, putain, j'ai vraiment envie maintenant que je sais comment ça marche de le faire, mais le faire bien, quoi. Et d'avoir le temps pour le faire et de m'investir dedans quoi. Est-ce que le produit fini de faire une part et de faire une vidéo et d'appartenir à ce truc là est tellement gratifiant que je me dis ouais, ça me confirme dans l'idée que ouais, faire des vidéos c'est un truc qui me plaît vraiment dans le skate quoi. Donc là tu passes ton bac, tu continues le skate? Ouais, je passe mon bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'était vraiment pas ma priorité quasiment, je pensais vraiment que au skate à cette époque-là quoi. J'avais juste comme objectif avoir le bac et c'était un peu une fin en soi, et j'ai un peu bricolé un truc dans ma tête et avec mes parents là, juste quelques mois avant les résultats du bac, en me disant ouais, qu'est-ce que j'aime bien en cours, j'aime bien la SVT quoi, sciences de la vie et de la terre, et qui pourrait matcher avec ça, c'est être prof, c'est cool, t'as beaucoup de temps pour faire du skate. Je me suis dit allez, je continue dans cette branche là quoi, je vais étudier les SVT pour être prof de SVT, et ça me laissera plein de temps pour skater quoi, et ça me laissera plein de temps en général. Et du coup je fais une fac de biologie à Versailles,
Ouais, c'est pas ma priorité encore une fois. Ce qui m'obsède et qui m'intéresse plus, c'est juste faire du skate, quoi, et continuer là-dedans. Et sans avoir de grands plans de carrière, en faire un métier ou quoi, c'est juste ce qui me plaît le plus et qui m'anime le plus. Et je vais en cours à côté parce que voilà, j'ai toujours été en cours et que c'est un truc qu'il faut faire. J'ai mes parents de toute manière qui sont derrière et qui me poussent à... Enfin, ils me poussent pas à faire du skate, ils me poussent à faire, enfin, à étudier. Donc, j'aime pas trop ça, mais voilà, j'y vais. Je sèche un peu quand même de temps en temps pour aller faire du skate. Rare, ça change un peu. Il y a quelques nouveaux gars qui rentrent dans le team. Il y a Boris Proust et Guillaume Duloup. Et il y a un autre filmeur qui rentre un peu dans l'équation aussi, parce que le filmeur de Rare déménage à Biarritz, donc il est moins proche de tout le monde. Ce nouveau filmeur avec qui Yann et moi, on filme beaucoup, qui s'appelle Antonin Folio, qui se met aussi à aller filmer les fameuses démos, même s'il y en a quand même un peu moins. Et y a un peu ce nouvel élan. On fait une deuxième vidéo, je crois. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais on fait un Battle of Normandie aussi, avec Rare. Très bon moment. C'était avec toi d'ailleurs qui faisait les photos. Donc ouais, tout ce truc Rare, ça, quand même, ça se consolide un peu. Ça fait vraiment un peu de sens, je fais vraiment partie du truc. Tout le monde sait un peu qui est Rare, enfin les graphiques. C'est quand même une marque qui fait partie du paysage. Et je fais partie un peu aussi du paysage, je pense. Et ça me va bien, et je suis content. Et voilà. Et puis, doucement, ça s'essouffle un peu. C'était quatre gars qui faisaient Rare. Et plus ou moins, en même temps, chacun un peu d'autres obligations. Alors, soit ça doit déménager, soit... Il y a un travail qui prend un peu plus de temps, donc petit à petit, Nico se retrouve plus ou moins tout seul à gérer Rare. Donc forcément, il se passe beaucoup moins de choses. Et donc tout ça, ça s'estompe, quoi, doucement. Et Nico, je pense, perd un peu la motive quelque part de se retrouver un peu tout seul à gérer ça. Tout seul, sans vraiment soutien de personne et juste avec... Toujours tous ces riders, un peu relou, je pense, aussi, à droite, à gauche. Je sais pas exactement quels sont les facteurs, mais bref, Rare, vraiment, marche un peu complètement ralenti. Je sais plus qu'est-ce qui se passe, s'il y a un événement ou en particulier ou quoi, et je me dis, bon, bah... Yann aussi, à peu près, en même temps que moi, se dit, bon, bah, ouais, c'est faut peut-être qu'on arrête, quoi, ou qu'on fasse autre chose. Et là, il se passe vraiment plus rien. J'en parle à Nico, et Nico me dit, ouais, si j'ai envie de faire d'autres choses, que lui, pour l'instant, en tout cas... Rare fait plus partie de ses priorités et du coup à ce moment-là en même temps Trauma, une des marques assez cool en France, et je commençais aussi de Montpellier, je connais un peu 2-3 des gars, et j'ai rencontré aussi Griadin qui est le filmeur de Trauma. Du coup je me dis allez vas-y, j'essaie de voir s'il y a moyen de continuer à faire ce que je fais mais juste avec d'autres gars, enfin, où il y a un peu plus d'énergie. C'est un moment difficile ou c'est un moment qui s'enchaîne finalement normalement? C'est pas si difficile parce que ça se fait super naturellement, quoi. Ça se fait naturellement dans le sens où Nico avait un peu abandonné le truc avec Rare et que Trauma, ça commençait à être aussi un peu naturel d'aller avec eux, même si je connaissais pas tout le monde. Ça me semblait être un bon choix et du coup je fais un peu ce move et je vais chez Trauma. Je continue à filmer à droite à gauche et à skater quasiment que à Paris, par contre. Tous mes potes d'enfance, à peu près au moment où la vidéo Rare est sortie, à peu près cette période-là où 18-19 ans, où tout le monde a passé le bac et commence un peu soit à étudier plus sérieusement, soit un peu à s'intéresser aux filles, soit à commencer à sortir. Forcément, tout le monde arrête quasiment. Je suis le seul à continuer parce que je suis lancé, quoi. Je suis dedans et ça me plaît de toute manière. Donc, même si j'ai plus mes potes mes potes de début pour skater, je vais toujours skater. Donc, je me commence à aller beaucoup plus à Paris, traîner avec d'autres gens. Et c'est là où je me dis, genre, la biologie et la fac, c'est pas pour moi, quoi. Ça m'intéresse pas. Et donc, je redouble plus ou moins une année et je me dis vraiment, d'avoir fait tout ça, c'est trop bête d'arrêter maintenant et de l'avoir fait pour rien. Au moins, je le finis et j'aurai ce diplôme, même si probablement il me servira à rien. J'aurais pas fait tout ce temps-là à la fac et à étudier des trucs dont j'en ai vraiment rien à foutre pour rien. Au moins, j'aurai cette licence. Et donc, je me dis, si j'ai cette licence, je fais un an de skate, quoi. Et je fais vrai voyage de skate. Et parce que j'ai toujours vu autour de moi Yann ou Fred Constant qui allait en Australie ou aux États-Unis, qui faisaient vraiment des voyages bien plus loin en Europe. Et je me dis vraiment, mais ça doit vraiment être une expérience de ouf. J'ai juste envie à un moment
d'essayer moi aussi, quoi. Et donc je me dis, je finis la fac et je prends un an, peu importe comment, mais je trouverai le moyen de les faire, ces voyages, quoi. Comment on deal une année sabbatique avec ses parents ? Vraiment, ça a été un peu dur pour moi de finir cette licence de biologie, parce que plus j'avançais dans les années, plus les matières étaient pointues, et donc d'étudier et d'essayer de passer des partiels de matières et de trucs qui m'intéressent clairement pas, et qui sont je suis à milieu de comprendre même leur intérêt. À l'époque, il n'y avait pas encore ce truc de beaucoup de monde qui vivait que du skate. C'était il y a plus de 10 ans. En France, il n'y avait pas non plus tant de monde qui en vivait et qui faisait que ça. C'est pas ce à quoi je prétends, mais j'ai envie au moins juste d'y goûter un peu et d'essayer juste de prendre le temps de faire un peu que ça, voir qu'est-ce que ça donne. Même pas dans le sens ça va exploser pour moi, juste j'avais envie de prendre le temps et d'avoir le temps de le faire et de pouvoir le faire, parce que je me suis dit sinon je vais jamais pouvoir faire ce que eux ont fait, quoi. C'est quand même une époque où il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient que du skate, donc c'était pas... Il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait vraiment pas tant que ça de gens qui vivaient du skate. Mais sans parler d'en vivre, qui... Ouais, mais tous les jours tu pouvais aller faire du skate avec des gens. Oui et non, enfin, il n'y avait pas non plus... Enfin, à part moi, les gars que je connaissais avec qui je traînais, ok, tu pouvais aller tous les jours à Bercy, tu trouverais toujours un Milouz qui était là à skater les curbs ou quelqu'un qui était là. Mais bon, il n'y avait pas ce truc-là de plus de... Ouais, de team, d'énergie, d'aller shooter des tricks, d'essayer un peu de pousser le skate et de... Plus que juste skater pour skater, quoi. D'aller un peu quelque part. Donc ça a été tellement un peu dur pour moi à finir que j'avais vraiment négocié avec mes parents en leur disant ben voilà, je fais juste une année, c'est ça que je vais faire et je vais juste voyager énormément. Et j'avais un peu négocié le truc en leur disant tous ces voyages, je vais apprendre l'anglais et je saurais parler anglais, ça va quand même être un bon atout. Ça les a pas plus convaincus que ça, mais ils étaient assez ok avec le fait que de toute manière ce serait qu'un an. Et que même pendant cette année-là, j'allais pas forcément faire n'importe quoi. Enfin, ils m'auraient jamais de manière laissé faire n'importe quoi. J'étais pas non plus le genre d'ado qui fumait et j'ai jamais fumé. Ils ont vraiment vu que c'était que je le faisais parce que c'était ce que j'avais envie de faire et que c'était une passion, pas parce que je voulais juste ne pas travailler ou rien foutre ou traîner. Et d'ailleurs, ouais, même en y repensant aujourd'hui, je savais même pas comment ils ont, les connaissants, comment ils ont juste accepté ça. Du haut de mes 21-22 ans. Mais bref, ils ont accepté et là, je me suis retrouvé à la rentrée après avoir fini la fac. Donc il y a eu les vacances et ensuite c'était la rentrée. Enfin, voilà, je m'étais vraiment dit, c'est maintenant là, j'ai le temps, je fais maintenant tout ce que j'ai toujours rêvé de faire, quoi. Je le fais. Et du coup, j'ai booké un billet d'avion tout seul avec Ludo Azemar pour 3 semaines à New York. En ayant juste comme connexion mon cousin qui habitait à New York et en sachant plus ou moins qu'en même temps il y avait Samir qui serait à New York. Et bref, et voilà, genre 4 septembre, jour de la rentrée, je suis parti à New York. Tu fais ta rentrée à New York ? J'ai fait ma rentrée à New York et j'ai même pas pris l'avion avec Ludo en fait. Et à l'époque, enfin, il y avait pas de smartphone, c'était juste le téléphone et tout, quoi. Et je me rappelle même avoir emprunté à Soy un téléphone avec une puce américaine en me disant là-bas j'aurai un téléphone et je sais plus, j'avais demandé peut-être à Benjamin un contact d'un photographe ou d'un gars et j'avais juste genre un contact dans ce téléphone et peut-être le numéro de Ludo et j'ai retrouvé Ludo à l'aéroport, je sais même pas comment on s'est retrouvé et voilà, et on a fait, il me semble que c'était 3 semaines à New York, mais Ludo était déjà allé plusieurs fois à New York avec les gars de Five Borough et tout ça. Ah, il était déjà quand même. Ouais, donc Ludo connaissait quand même un peu. Moi c'était vraiment ma première fois. Parce que vous avez un peu le même âge. Ouais, je crois que Ludo a juste 1 ou 2 ans de moins que moi, mais ouais, on est vraiment de la même génération. Et on s'est retrouvé, du coup, je me suis retrouvé à New York que tout seul avec Ludo, à aller filmer tous les jours, quasiment que nous deux, souvent. Et voilà, c'était mon premier trip. Donc, c'est le rêve américain. Ouais, et vraiment là, j'ai halluciné. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller à New York, mais parce que je connaissais même pas les skateurs, les trucs. Je savais juste qu'il y avait un peu une connexion avec Luigi et les gars de Five Borough, mais et au début, en fait, on a squatté chez Billy Rowan parce que Ludo connaissait Billy Rowan et on a skaté un peu avec lui, ouais. 2-3 fois.
Et ouais, j'avais, c'est vrai que ouais, tu te retrouves à New York, mais bon, pas chez n'importe qui. Je me retrouve pas chez n'importe qui, mais sans non plus pour autant trop échanger, quoi, parce qu'on s'est retrouvé chez lui avec Ludo, mais Ludo avait juste lui demandé est-ce qu'on peut squatter chez toi, et on dormait sur le canapé, et Ludo partait, non, moi sur le canapé et Ludo dans un fauteuil. Et ouais, on n'était pas chez n'importe qui, mais on l'a quasiment jamais vu, le Billy Rowan, quoi. Je te dis, on a peut-être discuté deux fois avec lui. Et après, sinon, c'était Ludo et moi. Et peut-être de temps en temps, on a capté un gars que Ludo connaissait son trip d'avant. On a capté une fois Samir qui devait être là, une ou deux fois. Et il y avait aussi Benjamin qui était à New York en même temps. On a fait deux, trois photos. Et voilà, Benjamin, ouais, nous avait peut-être connecté avec une ou deux personnes et ça. Et bref, et donc on a fait ce trip à New York, super cool. Ludo est resté et moi, je suis rentré. Et je suis arrivé à Paris. Il devait être genre 7h, 8h du mat. Je suis revenu par le RER pour rentrer de l'aéroport. Et là, j'étais donc en décalage horaire avec mon sac en train de rentrer d'un trip. Et j'ai vu tous les gens qui allaient travailler et qui allaient en cours. Et là, vraiment, pour la première fois, je me suis dit ouais, là, c'est vraiment un truc de ouf. Je rentre. Il est 8h du mat, mais je vais pas aller à l'école, je vais aller nulle part. Je vais juste rentrer et je vais pouvoir dormir. Et tout à l'heure, je vais pouvoir aller skater. Et là, ça a vraiment été un truc de ouf. Dans ma tête, ça a vraiment fait bon, ben là, j'ai du temps et c'est le temps pour. C'est vraiment. Enfin, je suis maître de ce que j'ai envie de faire et je peux vraiment faire tout ce que je veux. Enfin, pas tout ce que je veux, mais une liberté de ouf, là. Je peux. Et à cette époque, je commence à avoir un tout petit peu d'argent avec le skate, avec Vans et cartes. Donc, vu que j'habite chez mes parents, c'est un peu d'argent. Déjà, j'hallucine parce que ça me tombe quand même complètement dessus sans rien demander à personne. Ouais, avec cet argent, je commence à enchaîner des petits voyages à droite à gauche et à trouver des gars avec qui voyager, faire des photos. Et pendant cette année-là, j'enchaîne n'importe quelle petite trip que je peux faire. Avec tous les gens que je rencontre au fur et à mesure, je fais le plus de trips possible, quoi. Et tu vas de où à où ? Alors cette année-là, vu que je savais plus ou moins que j'allais faire qu'une année, parce que j'avais aussi négocié avec mes parents que je ferais des cours par correspondance pour un peu rester dedans, et voilà, bon, je l'ai pas vraiment fait, ça a pas duré longtemps, mais j'avais quand même ce truc-là. Donc ils savaient de toute manière que ça durerait qu'un an, quoi, parce qu'après, on était en train un peu, tu vois, me pousser pour trouver un plan de quoi faire après. Donc je me suis vraiment dit, j'ai qu'un an, vraiment là, la moindre opportunité que j'ai, je la prends et je vais faire un trip. Donc j'ai été à New York. Ensuite, donc il y avait cette période trauma, donc je suis allé en Crète avec Riadin, encore une fois tout seul avec lui parce qu'il avait un pote là-bas. Je suis allé en Israël avec Kev Métallier et Max Génin. La fine équipe. Ouais, j'ai enchaîné. Je suis allé à Barcelone tout seul aussi. Je suis allé à Barcelone deux, trois fois tout seul où là j'ai rencontré, j'ai vu qu'il y avait Bertrand et Lars qui s'occupaient de Carhartt. Qui était à Barcelone et ils avaient le bureau du skate à Barcelone. J'ai commencé à y aller assez fréquemment, quoi, en demandant à David Couliot, qui s'occupait du team à l'époque, si je pouvais squatter chez lui. Et putain, pareil, me dit à l'époque aussi, je me disais oui tout le temps, quoi, mais j'allais chez lui, je squattais vraiment dans sa chambre alors que lui il allait taffer. J'ai commencé à faire ça et le truc principal, c'est que vu que j'avais toujours vu Yann et Fred Constant aller en Australie tous les ans pour esquiver l'hiver. Ça, c'était vraiment cette espèce de truc que j'avais en tête depuis toujours. C'était vraiment juste l'Australie, quoi. Ils auraient pu aller, LA ou n'importe où tous les ans. Peu importe, j'aurais eu envie d'aller là où ils allaient pour esquiver l'hiver. Du coup, Australie. Et là, pareil, je me dis, mais j'y vais, quoi. Et j'ai un pote qui voulait y aller avec moi, qui vient avec moi. Et là, je me dis, mais ok, cool, mais il va falloir que je filme, que je fasse des trucs. Donc j'emprunte une caméra et en me disant mon pote va sûrement me filmer, enfin on va se débrouiller, de toute manière je rencontrerai des gens, Yann a des connexions ou Yann va peut-être venir, machin. Finalement Yann vient pas, personne vient, donc je me retrouve à y aller tout seul avec mon pote. À l'époque j'étais chez Vans et j'entends qu'il y a peut-être les gars de Vans Europe qui sont aussi en Australie au même moment. Du coup je me dis putain trop bien. Et là je capte que Loïc Benoît va sûrement y aller aussi pour faire les photos de ces gars là-bas. Et donc Loïc Benoît que j'ai rencontré une ou deux fois dans ma vie, qui est photographe de skate et que je connais juste des magazines ou juste parce qu'il a une grande gueule ou quoi, je le contacte en lui disant « Hey, on va être ensemble en Australie en même temps, voilà. »
est-ce que tu veux qu'on se capte? Moi, j'ai envie d'aller skater avec les autres gars de Vans qui seront là en ce moment. Je crois que c'est toi qui fais les photos. Est-ce que t'es chaud? Il me dit, ouais, super cool, carrément et tout. On parle un peu. Et quelques jours avant le trip, il me dit, bon, bah, en fait, c'est un peu annulé. Personne ne sera là. Mais moi, j'y vais quand même. Si t'es chaud, on va faire le trip ensemble. Et en fait, j'ai fait un mois donc, en Australie avec mon pote, tout seul. Lui est parti. Fonfon. Benjamin Zonta. Le même jour où il partait, Loïc arrivait et je me retrouve à Bondi à aller avec Loïc à la plage que je connais pas du tout et à devoir passer 2 semaines que Loïc et moi, bah juste à skater quoi. Et lui, il était venu en vacances. En Australie. Et non, Loïc était venu, il savait que c'était annulé, mais il avait dit à Alexis Josion, qui s'occupait de Vans, en lui disant bah, on fait comment pour le billet. Il lui avait dit bah. Je l'annule pas, vas-y, si tu veux, ça, de l'annuler, ça va me coûter aussi cher, donc si tu veux, vas-y. Et du coup, c'est là que la connexion un peu faisait sens avec Loïc en se disant, bon, bah, tant qu'à être là-bas, on va faire un truc ensemble. Et il avait un peu, j'ai un peu capté après, mais je savais même pas vraiment, ou peut-être je savais, je me rappelle plus, il avait un peu dealé un truc avec Bertrand où on ferait des photos ensemble et il ferait un truc avec, après, avec Carhartt. Donc voilà, bah, j'ai un peu halluciné en rencontrant Loïc au début. Au début, je me suis dit, mais putain, mais je vais passer 2 semaines avec ce gars. Il est quand même vraiment spécial, quoi. Genre, je sais pas si j'ai trop envie de traîner avec lui tous les jours. Et finalement, ça a super bien passé. Et on a fait des photos ensemble. Et voilà. Et de cette connexion-là, il m'a proposé quelques mois plus tard, ils retournaient tous les ans en Oregon pour faire le tour des skateparks en béton. Et moi, j'ai jamais eu de transition de bol ou de mini-ramp ou quoi que ce soit de toute ma vie, donc je skate pas de courbe. Mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, ce sera l'occasion. De toute manière, comme je disais, je prends n'importe quelle opportunité qui se présentera à moi. Et du coup, je lui ai dit oui. Et voilà, quelques mois plus tard, je suis aussi allé en Oregon avec lui, et tous les gars d'Antise. Avec Loïc, ouais, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Ouais, et entre-temps, Loïc s'est retrouvé team manager pour Vans France. Et moi, je skatais pour Vans France. Du coup, on se connaissait déjà. Et du coup, ouais, à partir de là, avec Loïc, on a fait un paquet de trips et de trucs ensemble. Ouais. Et il y a aussi une histoire avec Zéro. Au moment où je décide de prendre cette année sabbatique, il y a plus ou moins ce deal de Zéro Europe qui est en train de se dessiner. À l'époque, il y avait Zéro Europe qui avait quelques skateurs, genre Dominique Dietrich, Connie Erlin, Rob Mattman. Quelques gars comme ça qui sont vraiment les gars du moment, vraiment un cran au-dessus de tout le monde, quoi, qui skate déjà pour Zéro, plus ou moins par le distributeur, mais il y a un truc un peu plus sérieux qui se trame. Et j'ai cette proposition du gars qui s'occupe du coup du Team Europe, qui est en train de se monter, qui c'est Seth Curtis, qui est un Anglais et qui a pour but de développer un black box en Europe, donc qui est censé être à Amsterdam, je crois. Une distribution. Donc la distribution de Zéro, Fallon, toutes les marques de Jimmy Thomas. Et ils veulent vraiment faire un team sérieux ils me proposent de faire partie du truc. J'hallucine déjà premièrement qu'on me propose à moi, quoi. Donc je commence un peu à échanger des emails avec ce gars et je lui dis vraiment que vu le casting de tous les autres gars qu'il y a, je me sens vraiment pas faire partie de ces gars-là et aller en tour avec ces gars-là alors que c'est des gars que je trouve très 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 au-dessus de ce que je peux faire en skate et voilà, je me sens pas vraiment à ma place et j'ai pas l'impression de mériter ou de me voir faire partie de ce truc-là. Et lui insiste vraiment en me disant ouais, c'est Jimmy qui veut, il t'a choisi, il est voilà, il a, et je commence à même recevoir des mails de Jimmy en direct quoi. Et là je me suis vraiment dit genre waouh, là bon bah c'est ça me stresse un peu, mais je vais. Bah voilà, c'est un peu con de passer à côté, quoi. Du coup, exit trauma direct, un peu triste de faire ce move super rapide, mais bon, je me dis que l'opportunité est ouf. Enfin, l'opportunité peut être ouf. Donc, a priori, il doit y avoir une vidéo. Il me dit qu'il y a déjà tout un programme de tours sur toute l'année pour faire cette vidéo qui est prévue. Il y a des salaires. Et pareil, j'hallucine de me dire que je vais pouvoir. Enfin, je vais gagner des sous avec le skate là encore et que ça peut vraiment être un taf quoi. Bref, du coup je finis par, enfin je dis oui quoi, donc c'est parti, on lance le truc et là genre j'ai à peine le temps de recevoir mes premières boards que très vite je sens que ça a pas l'air de s'enclencher
Et il y a toute cette histoire de la crise de 2008. C'est 2008 ou 2009 2008, c'est 2008, ouais. Mais ça a des répercussions un peu plus sur la... Septembre 2008, parce que c'est en septembre, commence voilà. Voilà. À capoter. Et ouais. Moi, j'avais eu ce plan pour début septembre-octobre, et je sens que déjà décembre, janvier, ça répond à ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et très très vite, genre 6 mois après, même peut-être moins, Seth me dit que finalement le projet ne se fait pas, et que lui, je ne sais pas s'il était salarié ou comment ça se passe, mais il me dit qu'il ne fait plus partie du... Il fait plus partie du truc, et que pour l'instant tout est gelé, et qu'à cause de la crise, tout le programme européen a été cuté, quoi. Et là, bon, ben, je ne suis même pas non plus dégoûté, parce que ça me semblait tellement un peu comme un cheveu sur la soupe, que bon, bah, je continue à faire mon truc, en recevant quand même un peu des boards de zéro par le distributeur pendant un moment, quoi, du coup, parce que j'étais parti pour faire ça, en me disant que ça allait peut-être repartir. Je reste quand même un peu en contact avec Jimmy Thomas, mais bon, voilà, je vois bien que ça démarrera pas vraiment comme je l'avais pensé, quoi. Donc zéro, ça va un peu nulle part. J'arrive à la fin de l'année sabbatique, et un peu comme pour la fac de bio, j'avais un peu essayé de réfléchir à un plan pour reprendre les études quelque part, pour que je fasse quelque chose autre que du skate, parce que c'était un peu le deal que j'avais eu avec mes parents. Et ma sœur avait fait une école de commerce, ma sœur, une de mes deux grandes sœurs, et m'en avait parlé en me disant vraiment, je pense que tu kifferais vraiment faire ça, quoi. L'ambiance est cool. Enfin, elle avait l'air de vraiment avoir adoré. Ça te fait trop des bons potes. Et enfin, bref, elle avait vraiment vendu le truc en mode c'est super cool et je pense que ça te plairait. Moi, j'avais pareil. Le skate, c'était ma priorité. J'avais encore une fois pas réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, elle m'avait dit ouais, donc école de commerce. Et moi, j'ai fait marketing. Et elle m'a dit ouais, marketing, je pense que c'est un truc. C'est assez général, et là je me suis du coup j'ai un peu fait le rapport skate marketing. Je me suis dit bah je fais une école de commerce, je fais du marketing, et je pourrais toujours rattacher ça au skate, quoi, genre. Et même si c'est pas le skate, c'est tellement large le marketing, je pourrais trouver quelque chose un peu qui me plaît là dedans ça reste un truc qui me garde encore pas mal d'options, et je peux me diriger là dedans sans être bloqué comme j'ai pu l'être pour la SVT. Du coup, très bien, je me dis bon bah ok, allez, école de commerce. Et voilà, vu que ça fait un peu bien, c'est sérieux, mes parents étaient OK. Et du coup, j'ai passé les entretiens pour faire les écoles de commerce. Ah oui, et pendant l'année sabbatique, du coup, je me suis entraîné quand même, parce que pour faire les épreuves pour accéder aux écoles de commerce, il y a quand même des examens écrits et oraux. Et pour avoir les oraux, il faut déjà passer l'écrit. Et c'est des tests un peu spécifiques, donc il faut s'entraîner. Tu ne peux pas arriver comme ça et passer les tests. C'est des concours. Ouais, c'est un concours, pardon. Ouais. C'est des concours et c'est des épreuves vraiment spéciales. Il faut s'être entraîné, c'est plein de tests de logique, de machin. Et en fait, ce n'est pas très compliqué, mais il faut juste s'être entraîné pour savoir comment ça marche, quoi. Et les concours que je passais, c'était pour accéder directement en deuxième année d'école de commerce, zapper la première. Celle avec toute l'intégration, la rencontre de tous les jeunes ados qui, comme toi, arrivent et savent pas ce qu'ils veulent faire, mais veulent faire une école de commerce. Celle-là, je l'ai zappée parce que j'avais déjà justement cette licence de SVT. Donc c'est à ça qu'elle m'a servi au final, cette licence, c'est de pouvoir, au lieu d'avoir 3 ans d'école de commerce, que 2 ans. Et de pas être bizuté, ouais. Normalement, le schéma classique, c'est tu fais ton concours et t'es pris à 3, 4... Enfin, ou plus, école, mais tu n'en choisis que 3 ou 4 que tu veux vraiment, et tu fais les oraux et tu choisis celle que tu as qui est la mieux, quoi. Sauf que moi, j'avais jamais fait ça et j'avais un peu les boules d'être pris à aucune école vu que je venais de SVT, un truc qui n'avait rien à voir, et j'avais fait du skate pendant 1 an avant. J'avais vraiment cette idée dans ma tête, je me suis dit, mais ils vont me prendre pour un blaireau, quoi. Genre, ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais là? Donc, j'ai fait 11 oraux d'école de commerce pendant 2 semaines. J'étais partout en France en TGV avec mon costard. Parce que t'as des photos de ça? Je crois pas que j'ai de photos parce que j'étais tout seul. Il y a plein de gens aussi qui le font un peu avec des potes. Mais vu que moi j'étais tout seul l'année d'avant, j'avais pas de potes qui faisaient ça. C'était un moment de solitude? Ouais, et après, c'était... parfois c'était un... C'était pas dur non plus parce que...
Bah, d'avoir été en année sabbatique, j'étais un peu tout seul, un peu livré à moi-même aussi, donc ça allait. Mais ouais, il y a eu pas mal de fois où j'étais là avec mon costard à faire des entretiens. Mais j'étais plutôt bon en entretien, donc ça allait. C'était assez marrant parce que, au final, très vite, j'ai tout de suite capté que, en entretien, genre, j'avais le skate et j'avais l'année sabbatique et j'avais un parcours qui était complètement atypique de tous les autres mecs et meufs autour de moi qui avaient tous fait la même chose. Travailler un mois en vacances et qui avait rien à raconter ou la même chose. Du coup, moi, j'embrayais vraiment direct sur ce côté skate et le truc de SVT et tout, machin. Du coup, j'étais hyper à l'aise direct avec ça. Et surtout, même quand on essayait un peu justement dans les euros, parce que c'est ça le truc de se déstabiliser et de machin, j'avais juste capté comment ça marchait et je rebondissais toujours en faisant tournant tous ces trucs là en du positif, et je pensais un peu c'était la technique à faire. Du coup, j'ai été pris à plein d'écoles et je suis allé à Lille du coup, et là c'est la première fois où j'ai déménagé et je suis commencé à habiter tout seul. Et à Lille, je connaissais 2-3 gars. Je connaissais Val Bauer qui habitait là-bas depuis déjà longtemps. On n'était pas hyper potes, hyper proches, mais voilà, je savais qu'il était là et que je pouvais potentiellement skater avec lui. Et j'ai surtout rencontré un pote à moi qui skatait plus ou moins, et je me suis rendu compte très vite qu'il skatait pas, qu'il sortait plus qu'il skatait, c'est Hubert. Et le fameux. C'est, ouais, et voilà, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Et voilà, j'ai direct du coup adoré Lille et j'ai commencé cette école. Et là, je me suis très vite rendu compte aussi, je me suis dit, mais encore une fois, moins vénère qu'avec la fac de bio, je me suis dit, mais j'appartiens pas vraiment à ce monde-là, parce que tous les gens qui étaient autour de moi, genre, je leur disais même pas que je faisais du skate, parce que c'était vraiment un autre monde, quoi. Tout le monde était un peu dans le même moule, ce truc d'école de commerce, de faire partie d'associations, d'avoir des polos, la vie de tous ces gens autour de moi tournait soit autour de le futur métier qu'ils voulaient faire, soit autour juste de la vie de l'école et les soirées qu'il y avait presque tous les soirs. Et là, le skate est un peu entre parenthèses. C'est un peu entre parenthèses, dans le sens où je fais pas vraiment partie d'une marque ou d'un truc où on fait une vidéo, où il y a une énergie un peu d'un groupe, d'un team. Je fais plus mes potes à Paris, plus mes potes de Lille, et je skate. Je filme avec Guillaume Périmoni, les jumeaux. Je fais pas de skate tous les jours. Et voilà. Mais je skate toujours beaucoup, il y a le skatepark de Lille. Donc je vais souvent au skatepark de Lille le soir aussi. Et c'est aussi le moment où tu fais des stages. Et donc première année d'études. Et là, première fois de ma vie aussi, recherche de stage. Stage de 6 mois. J'ai aucune idée de comment ça marche, quoi. Mon premier CV, les premiers... C'est le grand bain, là. Ouais, première lettre de motivation, les entretiens téléphoniques. J'ai jamais travaillé, j'ai jamais rien fait d'autre que soit étudier, soit faire du skate, donc... Du coup, je galère un peu, je suis vraiment prêt à prendre n'importe quelle opportunité, genre, et je sais même pas vraiment comment ça va marcher, donc je postule un peu à tout et n'importe quoi. J'ai même un entretien téléphonique dans une boîte en Allemagne qui fait des études de marché en allemand. Je fais l'entretien jusqu'à la moitié, elle me dit « bon, bah maintenant on va passer en allemand ». Et où je lui dis en allemand, je baragouine que je sais pas vraiment parler allemand. Énorme blanc, téléphone. Et ouais, donc je fais des entretiens comme ça sans trop savoir comment... Enfin, vraiment, me dire, je suis prêt à prendre n'importe quoi. Et je finis par faire un stage au Casino Barrière de Lille, un assistant marketing. Et là, pour la première fois, voilà, je travaille vraiment et je fais un stage de 6 mois. Et je me rends compte de ce que c'est, quoi. Et qu'est-ce que c'est ? Et ben, c'est dans un casino barrière, donc où ils ont tout un complexe, où il y a un hôtel 4 étoiles, une salle de jeu immense, des restos, un théâtre. Donc je suis l'assistant de la nana qui s'occupe du marketing de tout le lieu, donc ça va de la programmation du théâtre à le concours pour faire gagner une voiture au gars qui joue aux machines à sous, au animer le loto bingo dans le casino les mardis après-midi. Enfin, je fais tout et n'importe quoi dans ce... Enfin, je vais distribuer la programmation ou les flyers dans tous les offices du tourisme de la région. Enfin, je fais un taf de stagiaire, quoi. Et où il faut être habillé un tout petit peu classe, parce que c'est quand même un casino et que je suis amené à être souvent dans la salle avec les clients. Et... Tu vois la suite de ta vie dans le casino ? Et ouais, non, pas du tout. Mais par contre, je vois ce que c'est d'avoir un vrai travail et d'aller travailler tous les jours, d'avoir des horaires et de se sentir tout de suite très étriqué. Mais bon, ça m'a appris pas mal de choses quand même. Et j'en garde un bon souvenir maintenant. Mais voilà, j'avais quand même qu'une hâte quand ça s'arrête, c'était
partir à un autre stage où j'avais envie de m'en foutais un peu de la nature du stage, mais j'avais juste envie de repartir en Australie. Et j'ai réussi à trouver un stage non payé, bien sûr, en Australie, pour pouvoir y retourner. Et voilà, le stage à Lille s'est arrêté. J'ai quitté Lille, je suis retourné en Australie. Et là, le stage, c'était vraiment pas du tout ce que je croyais. C'était vraiment naze. Et hyper vite, je me suis rendu compte que je perdais du temps, quoi. Que je perdais du temps et que je perdais de l'argent parce que je n'étais pas payé. J'ai commencé un peu à taffer à côté, en plus du stage. J'ai fait la plonge dans un restaurant. C'était à Sydney ou... C'était à Melbourne. Et j'ai tenu 3 jours, quoi. J'ai tenu 3 jours, j'ai fait la plonge. C'était 2 fois par jour, genre après le service du midi et après le service du soir. Et au bout du 3e jour, j'ai pété un plomb. C'était dans la cuisine avec des gars qui me parlaient trop mal. Et j'ai pété un plomb le dernier soir, le dernier service. Je suis rentré. J'ai littéralement jeté l'éponge. Je suis jamais revenu. Je suis même pas retourné chercher ma paye, quoi. Et bref, l'Australie, ça s'est barré en couille. Et je suis revenu beaucoup plus tôt que prévu. Je rentre plus tôt et j'ai toujours un autre stage à compléter pour mon école. Donc je fais un stage à Paris. Je finis et je retourne à Lille. Il y a la Pologne aussi. J'ai l'impression d'avoir 40 ans et d'avoir fait 10 000 trucs, quoi. Donc je retourne à Lille, je finis mon premier semestre, le deuxième semestre je le fais en Pologne, à Cracovie, en Erasmus, et là donc fin des études, et là du coup je dois faire mon stage de fin d'année. Grosse galère parce que je suis toujours en Pologne et il faut absolument que je trouve un stage, mais de là-bas. Parce que j'ai une certaine date limite à laquelle commencer et finir mon stage pour pouvoir être validé. Du coup, rebelote, re-entretien téléphonique et tout ça. Et je finis par trouver un stage au Club Med. Vraiment cool, un peu dans ce que je voulais faire. Voilà, j'avais un peu plus affiné ma sélection et là où je voulais travailler. J'avais envie de travailler, pas vraiment dans la mode, mais pour une marque de fringues. Parce que j'ai toujours aimé ça, les fringues. Et je me suis dit, si c'est pas une marque de skate, parce que je me suis dit, dans le marque de skate, il n'y a pas non plus de 10 000... opportunités de travail, donc autant élargir un peu plus faire marque de fringues. Et donc Club Med, en fait, leur deuxième source de revenus après les voyages, c'est les boutiques qu'ils ont dans les villages. Et dans les boutiques, ils vendent quoi? Ils vendent que des fringues, des crèmes solaires, tout ce genre de trucs, mais surtout des fringues, parce que tous les gens sont en all inclusive, du coup ils dépensent zéro thune de tout leur séjour. Du coup, lâcher quelques euros pour acheter un polo ou un pantalon blanc, ils sont super chauds, quoi. Ça pose aucun problème, donc ça marche hyper bien. Et donc j'ai ce stage, je reviens à Paris et pour la première fois j'habite enfin vraiment à Paris. Fini les trajets en RER, en banlieue. Ce soulagement. Et là, ouais, là, pareil, ça marque vraiment un tournant, quoi. Parce que en venant de banlieue, en ayant passé des heures et des heures de connexion de train et de métro pour aller skater et revenir le soir chez ses parents en banlieue, ou même revenir pour se doucher et ressortir le soir, ça, je l'ai fait un paquet de fois aussi, de plus avoir à faire ça, et même juste d'habiter tout seul et être à Paris. T'as l'impression, j'avais eu l'impression d'être le roi, quoi. Tout me paraissait proche, quoi. Et donc, j'ai commencé ce stage. Et j'avais une maître de stage qui était vraiment chamée. Vraiment ouf, mais chamée. La cinquantaine, qui était odieuse avec toutes les filles, mais qui était OK avec les garçons et qui m'adorait. Et du coup, ouais, ça s'est hyper bien passé. Et j'ai même hésité à la fin du stage un peu à me suis dire, y avait une opportunité de rester taffé là-bas. Parce que l'ambiance, c'était pas du tout mon monde, encore une fois, mais vu que les gens autour de moi étaient cool, le job était plutôt. Il n'y avait pas une énorme pression, rien, donc c'était assez cool, quoi. Je pouvais faire du skate à côté, j'avais ce stage. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et en même temps, j'avais re-envie de juste faire du skate, quoi. Je venais encore de me ramasser 3 ans d'études, 2 ans d'études plus 1 an et demi de stage. J'avais quand même aussi bien dans un coin de ma tête de me dire, genre, à un moment, ce sera aussi mon heure pour refaire du skate, quoi. Parce que, ok, je fais du skate à fond quand même à côté et tout, mais tellement de gens font que du skate et ils font que ça. Moi, maintenant, je l'ai, mon bagage, le fameux bagage d'études. Donc, j'ai envie que ce soit encore ma chance quelque part, quoi. Voilà, c'est maintenant ou jamais aussi. Je ne vais pas avoir 25, 26 ans toute ma vie. Et
il y a un moment où, de manière, je devrais taffer toute ma vie, donc quitte à devoir le faire toute ta vie, autant le repousser un peu. Quelle douleur quand tu dis ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, non, tant pis pour Club Med, je fais pas le move, je vais skater. Et là, j'habite à Paris, je gagnais un petit peu d'argent, vraiment de quoi un peu survivre. Et ouais, et là, c'était parti, quoi. C'était parti. Mais très vite, en fait, ça s'est arrêté. Et j'ai fait un peu deux, trois trips et tout, mais je me suis très vite retrouvé en hiver. Et à une période vraiment un peu nulle, parce qu'il n'y avait pas encore République, il n'y avait pas l'engouement qui est apparu aujourd'hui. Et les gars avec qui je filmais travaillaient en full time. Les gars avec qui je quittais ont soit commencé à travailler, les jumeaux ont commencé à travailler. Oscar habitait à Barcelone. Rémi était tout le temps en tour avec Antis. Alex Pires, avec qui je faisais des photos aussi, a commencé un peu à bouger à droite à gauche et plus jamais être à Paris. Et là, je me suis un peu retrouvé, pas tout seul, mais à mauvais timing, quoi. À un peu à être là, là j'ai le temps. Et donc, pendant un moment, j'ai essayé comme d'hab, de faire un peu d'aller à droite à gauche au maximum, de bouger, d'aller voir Loïc à Lyon, aller dans le sud-ouest. Mais voilà, il y avait quand même un mauvais timing sur cette période-là. Guillaume a sorti la vidéo sur Paris, sa Fung Lens, J'aime les filles, qui m'a quand même pris vachement de temps. On a filmé pendant toute cette période où j'étais en stage, où j'habitais à Paris avec Guillaume. Guillaume Périmoni. Enfin, un des projets que j'ai fait, dont je suis le plus content parce que c'était vraiment super focus sur Paris. Et pareil, j'ai commencé aussi un peu à skater différemment, à essayer de faire plein de lines, à skater des spots un peu dégueu, des spots sur la route, des spots sur le trottoir, vraiment que ça reflète un peu plus là où j'habitais et là où je skatais tous les jours. Je trouve que c'était cool, ça a vraiment représenté un peu notre petit crew de gars et comment on skatait à Paris. Il y avait qui à ce moment-là? Il y avait donc Guillaume qui filmait, et il y avait les jumeaux, Idriss, Jani, avec qui on skatait beaucoup aussi, qui faisait partie vraiment de notre petite bande, Oscar, Candon, Rémi, Tavera, il y avait Alex avec Pires, avec qui on faisait beaucoup de photos. Et après, d'autres gars à droite à gauche, mais c'était notre petit crew. Et Octagon alors? Et sur la deuxième année, j'ai reconnecté avec Joachim Bale, que j'ai rencontré quand j'étais à Lille, et qui avait fait la vidéo Zero Police entre temps. Et après la vidéo Zero Police, ça l'avait vraiment vachement motivé à refaire quelque chose de différent et à faire une... Il voulait repartir, il avait pensé à faire ce projet avec un gars qu'il avait rencontré, je sais plus s'il avait travaillé avec lui ou quelle était la collection, mais il avait un pote graphiste qu'il avait envie un peu d'ajouter sa vision à la vidéo de skate et ce que savait faire Joachim. Et du coup là, Joachim a clairement vu et a une espèce d'opportunité, pas une opportunité en fait, mais il a eu un peu une vision sur... Il avait vraiment envie de faire une vidéo de skate qui avait vraiment un esthétique complètement différent. Il avait envie de mixer un peu cette vision futuriste, architecturale et froide, un peu avec une histoire, un fond, à du skate. Et tout filmé en noir et blanc, et vraiment tout un peu... Et du coup, il m'a parlé de ce projet. Ils avaient préparé tout un petit dossier, et il m'a dit qui était aussi impliqué. Donc il y avait Val, il y avait Bram de Clean, que je connaissais déjà, qui skatait aussi pour Carte. De Belgique, et Edouard De Paz, que je connaissais pas du tout. Et du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc moi, je trouvais le projet assez cool. Et il m'a aussi demandé si on pouvait faire un truc avec Kart, si Kart pouvait s'impliquer dans... Lui travaillait à l'époque dans le shop Kart de Lille. Du coup, il y avait une espèce de connexion qui était déjà là. Donc moi, j'en ai parlé à Bertrand Trichet. Et lui a trouvé le projet assez cool, et c'est parti comme ça. Et donc, j'ai commencé à filmer aussi de plus en plus avec Joachim, à skater, filmer beaucoup avec Valentin. Et on a dû filmer pendant un an à peu près pour sortir la vidéo qui dure une vingtaine, trentaine de minutes et qui était du coup sponsorisée par Carhartt. Et à ce moment-là, il y avait un bureau Carhartt qui s'occupait du département skate à Barcelone qui s'était finalement réduit et transformé juste en Bertrand. Il a eu la proposition de remonter à Paris pour travailler dans un nouveau bureau. Et donc, ayant ce projet et cette connexion avec Carhartt, Bertrand et Octagon pour être dans la vidéo et ayant aidé Joachim à filmer, un peu naturellement, j'ai commencé à un peu faire le relais et Bertrand avait aussi besoin d'un assistant. J'ai commencé à travailler avec lui à Paris et donc le premier gros truc que j'ai fait, c'était Octagon du coup. J'ai vraiment fait le lien entre Octagon et Carhartt, organisé toutes les premières et là j'ai commencé vraiment à un peu mettre les mains dans un job dans lequel j'avais jamais mis les mains, c'était le marketing, mais... cette fois de l'autre côté de la barrière pour moi, parce que c'était skate. Et là, vraiment, je voyais comment tout s'articule, ce que fait une marque
pour le skate et les projets, les, comment ils sont construits et surtout comment ils sont présentés. Et du coup, ouais, là, j'ai quand même pris un peu une petite claque en me rendant compte de tout le boulot et de toutes les choses que ça implique de faire des événements de skate ou même juste de produire des choses, du contenu et de le présenter via une marque, quoi. Et donc, ça a été plus officiel, j'ai eu mon contrat et donc j'ai commencé à travailler plus sérieusement en full time. J'ai assisté pendant 2 ans Bertrand. Et après, Bertrand est parti travailler pour Nike SB. Et du coup, je suis resté tout seul. Et il n'y avait aucun plan pour remplacer clairement Bertrand. Du coup, c'était plutôt juste, c'est moi le nouveau Bertrand, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à devoir gérer le skate, le marketing skate pour Carhartt au global. Dans le sens où tout ce qui touche au skate pour Carhartt doit plus ou moins passer par moi. Que ça aide la pub dans les magazines, au... gérer les designs des pubs, les envoyer, la facturation qu'il y a derrière, mais aussi gérer tout le team, leurs commandes, leurs déplacements, les projets avec eux, que ce soit vidéo, photo. J'ai ce job à plein temps qui est quand même vraiment cool, quoi. C'est assez, je pense que ça doit être assez dur de trouver un job qui me correspond plus ou dans un domaine qui est en même temps touche au skate et en même temps touche un peu aux fringues et au marketing, tout ça cumulé. C'est un peu dur, je pense, pour trouver un truc un peu plus idéal. Si ça reste un job quand même où je fais des horaires et c'est du travail, mais j'essaye quand même de garder un maximum de temps et pour skater, parce que si peu importe le job, j'ai juste envie d'avoir quand même le temps qu'il faut pour aller faire du skate et essayer de skater un peu tous les jours ou dès que je peux. Avec ces multiples activités, comment t'intègres le skate? T'as une discipline assez stricte, je crois. Tout simplement, à partir de certaines heures, déjà, en ayant travaillé toute la journée, j'arrive plus à réfléchir. Donc, arrivé 18-19 heures, de toute manière, je n'arrive plus à travailler. Et puis, le skate fait quand même complètement partie et de ma vie et de mon travail. Donc, j'ai envie quand même de toujours garder un moment, un moment dans la journée, ou si ça dépend si c'est l'été ou l'hiver, mais un moment dans la journée ou les week-ends, de toute manière, pour aller faire du skate. Ça reste quand même une priorité pour moi, et peu importe le travail, il faut qu'il y ait cette période où je vais me défouler et je vais faire du skate juste parce que j'en ai vraiment besoin. Très bien. Ça a été là. Ouais. C'est plutôt bien. Ouais. C'est une note positive, enthousiaste, malgré. Il est 10h du matin. Mais non. Je vais dormir sur le matelas de gars. Non. Il y a une dizaine d'années, on avait fait une interview ensemble pour Sugar, même plus que ça. On avait parlé des gens qui avaient la classe. Voilà, tu avais une opinion assez tranchée sur le style, comment il fallait s'habiller et qui avait ou qui n'avait pas la classe. Et aujourd'hui, si tu devais citer 3 personnes, 3 skateurs qui ont la classe en 2018... Alors, je dirais en premier, pas forcément dans la manière de s'habiller, mais juste dans sa manière de bouger sur un skate et de skater. Je dirais Jack Johnson, grande, grande classe. Je dirais aussi Austin Gillette. Voilà, ça marche aussi avec la manière de s'habiller, quand même assez élégant. Il est assez fité. Ouais, il est assez fit. Les deux marchent bien. Et je dirais. Un troisième décisif. Je dirais Mike Arnold, peut-être. Mike Arnold ou Rémi, peut-être. Rémi Tavera. À voir qui gagne la troisième place. Il est trop tard pour décider maintenant. Mais ils sont ex aequo, alors. Ok. C'est toi qui décides s'ils sont ex aequo ou non. Ouais, on les met ex aequo. Et pour quelle raison? Mike Arnold, c'est vraiment dans sa manière juste de... Je dirais juste de voir le skate et la manière dont il en fait, quoi. Il a vraiment un truc où... Il pense, ça se voit que c'est réfléchi et qu'il pense pas de la même manière qu'un autre. Du coup, forcément, à chaque fois qu'il sort un truc, t'es là genre, putain, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Il arrive à faire ça et en même temps à faire des trucs qui peuvent être pour un peu la plupart des skateurs un peu dégueux. Et juste lui, la manière dont il le fait avec tout le package un peu grand dadais, un peu sketchy ou un peu mi-puissant, mi-mollasson, fait que juste ça rend trop bien et que c'est pas ce que t'as l'habitude de voir et que t'es là juste waouh, c'est cool, quoi.
Et juste ça, c'est même pas forcément le move qui est gracieux, c'est juste tout l'ensemble qui fait que waouh, il y a une espèce de classe quand même dans la manière dont il voit le skate et il en fait. Et Rémi ? Et Rémi, lui, par contre, c'est plus clairement plus sur sa manière juste de faire du skate, quoi. Sa manière, la manière dont il bouge sur un skate et la pression qu'il a dans ses jambes et le pop qu'il a, l'espèce d'énergie qui fait que, ouais, il a un truc qui est vraiment spécial. C'est pas tout à fait fini. Il reste les questions d'Alban. Alban de la Menez Mobile. C'est quoi cette histoire de Menez Mobile alors? Parce que je sais pas. Faudra lui demander. C'est toi qui. Bah, la question, elle est pour Alban, du coup. La question pour Alban, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, Alban? Alban, il écoute Big Spin avec attention et il souhaiterait savoir si tu devais ne conserver qu'une seule part de skate, laquelle serait-ce? De toutes les parts de skate qui existent dans ce monde. Jack Johnson dans la Minefield. Et pourquoi? Parce que chaque fois que je la regarde, je l'apprécie autant que la première fois que j'ai vu. Et c'est la part qui, un, me rend content, me rend heureux. Et deux, elle me donne vraiment envie d'aller faire du skate, quoi. Et s'il ne devait en rester qu'un parmi tous les skateurs du monde de cet univers? Bah, ce serait moi, hein. Easy. Bébé, il l'a déjà dit. Non, mais on veut un vrai skateur. Enculé. S'il devrait en rester qu'un. S'il devait en rester qu'un, sans hésitation, @anyskate. A-N-Y-S-K-A-T-E. Allez checker son Instagram, c'est assez magique comme on dit. Merci Joseph pour ce moment. Quant à nous, on remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias et Lichabert pour la technique. Big Spin, ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube et iTunes. Ça se regarde sur Instagram et le complément d'info, le Bigger Spin, c'est sur le site Live Skateboard Media. On vous dit à très bientôt. Ciao.